Voilà, t'es Kurt Hansen et t'es super Furax. Tu voulais me parler? Je l'ai entendu, Otoki. Alors? Non. Tu vois, ici, les gens s'en branlent de ma vie d'avant. Je t'ai dit que c'était mort, ok? Ah. Tu vas pouvoir gérer le deal avec les Désos? Ou ça aussi, tu vas le foirer? Je vois pas de quoi tu parles. Ils essaieront de nous baiser. On devrait y être préparés, c'est clair? Évidemment que c'est clair. C'est un job de débutant. Comme parler au commissaire de police, tu veux dire? T'étais mon messager, Yuri. Et maintenant, la moitié du NCPD est au courant de nos affaires. Après ça, silence complet. Parce que Yuri et Kurt, ils ont fait l'armée ensemble, tu sais. Militech les a lâchés ici il y a des années. Alors, le petit Torres, il est prêt à se faire péter la gueule? Donc je reste là, j'attends, perdu. Je me chie même un peu dessus. Babs me chuchote des encouragements, mais... Je me dis que s'il a pas buté Yuri, c'est moi qui va buter, c'est sûr. Vas-y, Kurt, défonce-le. Cette petite chienne demande que ça. Défends-toi, Pomar, lève les poings. Comment tu t'appelles, gamin? Paco Torres. Bon, tu t'appelles Roquet, mais on va faire de toi un molosse. Oui! Oui, chef! Sans deck, Paco! Arrête d'inventer des trucs! C'est mon histoire! Le petit clébard va se mettre à chialer! Oh là là, lui mettre un coup comme ça, paf! Oh, je peux dire que ça fait un truc! Pourquoi j'aurais besoin de toi? Je suis rapide et... malin! Fais-moi voir! Je peux te dire qu'il savait où cogner. Ah, je sens encore les bleus! C'est bon, ce chiot fera l'affaire. Je le cognerai bien un peu plus pour la forme. Ça viendra, ça viendra. Bienvenue dans la meute, gamin. N'importe quoi, il a jamais dit ça. Tu t'occuperas du prochain convoi. On va voir ce que t'as dans le ventre. À ce moment, je me suis senti... renaître. Tu vois ce que je veux dire? Je pissais le sang, mais j'ai poussé des hurlements de bonheur, Tchoum. Ça va? Tu suis là? Bonjour, Downtown. Ici Kurt Hansen, le cyberpsycho qui est entré en dojo. Waouh, Premios. Ça me donne envie de t'en coller une moi-même. Eh oh, 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 attends une semaine, Chumba. Faut que je récupère, moi. De toute façon, tu vas devoir faire la queue, V. Et c'est pas la fin de l'histoire. Il y a encore sa mission. Donc, c'était un petit boulot, tu vois, comme garder un largage ou un transport. Moi, je protégeais notre convoi. Je sens que la conclusion arrive. Et je sens que ça va merder quelque part. Il va sûrement finir cloué à un poteau, si tu veux mon avis. Son convoi, c'était pour les Désos. Alors c'est complètement parti en couille. Babs adore se plaindre. Mais l'occasion, elle était vraiment trop belle. Je pouvais pas la laisser passer. File-moi encore une bouffée de dive. Du coup, on est là, on roule. Le boss en personne est à côté de moi. D'un coup, j'entends les pneus qui crissent. Et là, je me dis... Mierda! Esto se sale de madre! Ces fils de pute. Qu'est-ce que t'as? Tu piges, Mano! Il avait tout prévu! C'est pour ça qu'il est venu avec moi!
J'entends le canier là-bas. C'est rare, bloquer la route. Accroche-toi, Lucio. C'est l'heure de rappeler à ces connards qui fait la loi. C'est fini pour toi. Le boss s'est fait toucher. Alors je me dis... Putain, merde, c'est comme ça qu'on va crever. Avec tous ces désos, c'était pas possible qu'il se fasse pas trouver. C'était une putain de machine! Toujours dans le mille! Oh merde! Attention! Devine ce que je C'était génial! Il visait comme un dieu! Et il avait soif de sang! Du coup, on est là, on roule. Le boss en personne est à côté de moi. D'un coup, j'entends les pneus qui crissent. Et là, je me dis... Mierda! Esto se sale de madre! Ces fils de pute. Tu piges, Mano! Il avait tout prévu! C'est pour ça qu'il est venu avec moi! Ces rats ont bloqué la route. Accroche-toi, Lucio. C'est l'heure de rappeler à ces connards qui fait la loi. Ça va chier. C'était génial. Il visait comme un dieu. Il avait soif de sang. Fue perfecto. Maravilloso. Cayeron uno detrás del otro. Je vais t'encastrer la tête dans le cul. C'était une putain de machine. Toujours dans le mille. Le boss s'est fait toucher. Alors je me dis... Putain, merde, c'est comme ça qu'on va crever. Ебать! On les a tous massacrés. L'air avait l'odeur métallique du sang. Et... C'était un carnage.
En v'là un qui grogne. Il respire encore. Je suis sûr qu'il aura des choses à nous dire. Saloperie de putain de rat. Au moins le gamin a montré l'écrou. Eh ben, pas mal du tout. Tu te débrouilles. Tu montais pas, gamin. T'es rapide. T'as bien piétiné ces rats. Oh, porca puttana. Bien. Ramène la marchandise au Sapphire. Fais attention, gamin, ok ? Yuri et moi, on doit poser quelques questions à notre ami le Désos.